Les organisations non gouvernementales viennent de regrouper les hommes des médias. Et cela n'est peut-être pas le fruit du hasard. Mais le travail de ces ONG n'est pas toujours facile à appréhender. Les conditions de travail des ONG ne sont pas faciles. D'accord ? Mais ça n'a jamais découragé les ONG de continuer à travailler. D'accord ? Il est arrivé des moments de très grande insécurité où il faut protéger le personnel. D'accord ? On ne peut pas se permettre aussi que notre personnel soit mis à risque. Donc, ce qui nous arrive, c'est parfois ce qui nous est arrivé, j'espère que ça va plus se faire, c'est de suspendre momentanément nos activités et d'observer l'évolution de la situation sécuritaire et de reprendre le plus rapidement possible. Une vulnérabilité qui permet tout de même de rester optimiste. Et beaucoup reste à faire. Mais donc, c'est pour ça que je dis j'encourage. Et je félicite les ONG qui travaillent malgré des défis financiers, mais on est là pour la population et comme on dit, on a un but non lucratif. Les organisations non gouvernementales ont pour leitmotiv de protéger les populations grâce aux soins qui leur sont prodigués. Mais au-delà de cet aspect, les ONG sont impartiales. C'est aussi ça le véritable sens de cette journée qui vient de se célébrer.